Salut tout le monde, aujourd'hui on simplement joue à Resident Evil 0 et vous savez ce qu'on va faire? Et ben on va tester le mode de Wesker. Allez, c'est parti! Alors, qu'est-ce qu'on va tester? Je sais pas du tout. Alors, Shadow Dash, donc maintenez B puis relâchez pour effectuer un sprint en avant. D'accord, donc ça je retiens. Appuyez sur B pour vous arrêter. Je retiens. Utiliser L plus B. L, c'est lequel déjà? Ok, c'est lui. C'est celui de gauche. Alors, pour changer de direction. Ok, oui, si tu veux. Ok, j'ai pas. Je pense que ça va être dur à utiliser, mais ça pourrait s'apprendre. Maintenez X en visant et relâchez pour effectuer une attaque à distance. Maintenez X en visant et relâchez. D'accord. J'ai pas capté, mais oui. Plus vous maintenez appuyé, plus l'attaque est puissante. D'accord. Ok, donc on appuie sur n'importe quelle touche pour pouvoir attaquer de ouf. Alors, je sais pas ce que ça veut dire. Alors, une ville du Midwest, Midwest américain, je suppose, est éloignée des côtes, machin, Rockford, machin. Bon, j'ai pas le temps de dire. Une île qui a l'air de venir. Ah, tu me saoules, toi. Ces événements tragiques qui semblent avoir. C'est quoi, tu m'as saoulé. Suscite toujours de nombreuses questions. C'est déjà bien. Alors, certains pensent que la mutilation Umbrella est impliquée dans cette affaire. On ignore cependant comment cette organisation sans visage a vu le jour. Quand a-t-elle été fondée? Par qui? Par toi, non? Alors, comment le virus T a-t-il été créé? En le créant. Le seul moyen de faire la lumière sur Bestek est de devenir au tout début, et de revenir au tout début avant l'incident d'Emmanuel. 23 juillet 1998, forêt de Raccoon City. De Raccoon, je veux dire, 20h17. Do you think so too? Yeah. Do about it. Hold off for a while. I wonder how those RNG people would react to this. Deux heures plus tard, au-dessus de Raccoon, d'accord. Tout a commencé par une enquête, étrange, commise dans la banlieue de Raccoon City, d'accord. Rien n'aurait pu préparer au cauchemar que nous allons vivre. Oui, tout à fait. Nous avions aucune chance. Oui. C'est tout? Ah, qu'est-ce qui se passe? Ouais, panne de moteur, ouais, atterrissage d'urgence, ouais. Vérifier notre position et fouiller la zone. Capitaine, regardez! Qu'est-ce qu'il est moche! Capitaine, qu'est-ce qui s'est passé? Ordre de transfert. Prisonnier Billy Cohen. Alors, jugé en cour martiale et condamné à mort le 22 juillet, le prisonnier doit être transféré à la base de Ré, je sais pas quoi, pour être exécuté. Ces pauvres soldats, des hommes bien, faisaient leur boulot.
Mais cette pourriture a tué machin. Tu connais pas l'histoire, connard. C'est séparé et fouillé la zone. L'individu est brutal et sans pitié. Pff, ça, c'est ce que tu dis. Restez vigilant. Ah, les gens, c'est qui jugent comme ça. C'est hallucinant. Là, je vous fais peur d'un coup, genre je fais bouh comme ça. Bouh d'un coup comme ça. Là, oh, mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Alors, il n'y a plus de retour en arrière. Mais si je te dis, je mets start, je mets quitter, c'est un retour en arrière, commence pas à me saouler. Alors, du coup. Ok, donc là, on est avec elle. Attendez, juste comme ça. Ok, ok. Il y a moyen de pouvoir changer de. Ah, il n'y a pas de. On peut pas changer de tenue et tout, quoi. Genre, c'est sérieux. C'est dommage, moi j'aurais bien voulu. J'aurais bien voulu changer de tenue. Bon, c'est pas très grave. Parce que l'histoire principale, on peut changer de tenue. Bon, c'est pas très grave. En attendant, qu'est-ce qu'on va faire du coup? Je sais pas. Normalement, c'est pas le mode Wesker, hein. Enfin, je sais pas. Après, Attends, est-ce qu'on peut faire comme ils ont dit? Quoi? Ah oui, c'est vrai, on a vu ça la dernière fois. Regardez. Oh, mais tu vas arrêter de me saouler, merci. Mais oh, tu fais exprès, hein. Regardez les yeux rouges là. Oh, c'est fou. Comment on fait? Non, c'est pas comme ça. Hop. Non, y a pas moyen de faire quelque chose là? Comme ça? Non, ça fait rien. Ça fait rien du tout. Bon, c'est pas grave, on verra ça plus tard. Donc, on va aller là-haut. si on peut. Ok, donc la porte du wagon restaurant est verrouillée. Non, ok. Donc, je sais pas. Mais non, mais stop. Non, je croyais qu'on pouvait courir. Mais tu fais n'importe quoi. On peut pas courir de toute façon. Ça, c'est la carte. Ok. Ouais, bon, de toute façon, on a personne avec nous. Donc, on va voir ce que c'est. Moi, je me suis dit, peut-être qu'on allait avoir Wesker, mais non. Est-ce que sur GameCube, il y avait justement ce mode-là? Ça m'étonnerait. Je suis officier Chamber de l'équipe Bravo du Stars. Déclinez votre identité. Il y a personne ici. Il y a quelqu'un? Bah oui, il y a un zombie, oui. mais il est moche. Pourquoi il a les yeux rouges comme ça? C'est délire, ça. Je comprends pas, on fait la même chose, mais un petit peu différemment, je comprends pas leur délire. Ah, donc si tu pouvais m'aider l'autre là, non? On dirait qu'elle est un peu en mode, tu sais, genre... Oh, tu vas te calmer toi déjà? Oh, la vie qu'on doit lui mettre? Oh, ça doit pas être en facile ça, hein. Les balles qu'on doit lui mettre? Pas les yeux rouges et tout, bon, on l'en voit pas très bien. C'est quand même puissant ces yeux rouges et tout. Je sais pas, ça donne un effet vraiment genre diabolique et tout. C'est, ah, c'est marrant. Alors, tu sais, quand c'est dans les cinématiques, on dirait une petite enfant, tu sais. Et puis quand c'est comme ça, on dirait genre le diable et tout. Ah, c'est marrant, c'est marrant. C'est dommage qu'ils ont pas remis directement comme ça, tu vois. Directement, tu sais, avec les yeux rouges et tout, mais genre dans la cinématique. C'est dommage. Au moins les yeux rouges auraient été marrants, franchement. C'est pas très long à faire en plus. Mais bon, c'est comme ça. Et c'est déjà pas mal. Mais je sais pas si ça a été sur GameCube, hein, ça m'étonnerait. Hein. Peut-être sur PS2, peut-être. Ils l'ont peut-être mis sur PS2, je sais pas. Je sais pas si c'est spécial sur le remasterisé ou pas. En attendant, on est en train de refaire à peu près la même chose que la dernière fois. Hein. Donc, est-ce que là-dedans il y a quelque chose? Il n'y a rien d'utilisable, ouais. Il y a des balles, c'est déjà ça. Ok, y a rien d'autre. Ok, y a rien d'autre. Si, y a un texte. Bon, à la limite, on récupère le texte. Journal du passager, enfin, je sais pas quoi. Le 14 juillet, le patron a donné des ordres aujourd'hui. Apparemment, nous sommes chargés d'enquêter sur les ruines du laboratoire des montagnes Arclay. Nous sommes divisés en deux groupes. Mon groupe, le premier des deux, va d'abord inspecter ce qu'il reste de l'expérience qui a été abandonnée le 16 juillet. Malheureusement, la production test de l'armée bio-organique a dû être interrompue
en raison de l'enquête. Idem pour le type machin. Nous en savons encore si peu sur les réactions virus T des crustacés. Il reste tant de recherches passionnantes à mener. Ouh, c'est vraiment passionnant, quoi. Seules les espèces des conditions, et les conditions d'élevage des doses infimes de thé provoquent ces changements remarquables en termes de taille, de résistance, de multiplication, de toxines et de développement cérébral. Si ces effets pouvaient être contrôlés, nous pourrions produire une arme prodigieuse. Voilà. Le développement brutal de la carapace entraîne malheureusement une certaine fragilité. Certaines zones deviennent extrêmement vulnérables. Ces problèmes, notamment pour la carapace qui protège la tête. Mm-hmm. Le labo où nous allons mener-t-il les mêmes recherches ? Cela nous aiderait sûrement à trouver des données et des échantillons pour compléter nos recherches. Le 19 juillet, et tu peux pas jamais te taire, hein. Enfin, tu peux pas te taire. Le jour fatidique approche, je suis de plus en plus inquiet. Le journal Raccoon City et la télévision ne parlent que des étranges meurtres perpétrés dans les environs. Ça ne peut pas être le virus. Si c'était le cas, non, ce n'est pas le moment. Je dois me concentrer sur l'enquête et tout faire pour qu'elle se passe bien. Et franchement, j'arrête de lire parce que y en a marre. C'est trop chiant. Oh, c'est quoi qu'elle a sur le buste? C'est pas un mini cœur ou un scarabée, j'en sais rien. Bizarre. Bon, un petit truc rouge comme ça. Donc, il y a moyen de trouver une clé ou je sais pas. Je crois qu'on cherchait une clé la dernière fois, je crois bien. Dès le début comme ça. Je crois bien qu'on avait trouvé une clé ou... Ouais, la clé qui mène tout au fond là-bas. Je m'en rappelle bien. Mais c'est bête, si on refait la même chose. Enfin, c'est bête. Pas forcément, mais... Ok, on récupère ça, s'il vous plaît. Utiliser l'herbe verte, oui. Enfin, prendre... Enfin, laisse tomber. Je cherche pas à comprendre, je suis fatigué. Ok, là par contre je lis pas. Alors là, directive d'enquête, machin, tâche de sang, certaines parties sont visibles, machin. Si vous avez envie de vous éclater à lire, vous mettez pause. Voilà, là encore une fois, si vous avez envie de vous éclater à lire, vous mettez pause. Ok, donc la suite est manquant ou illisible. Ok, ça fait plaisir. Ah non, c'est bon, ouais, c'est chiant, c'est pas passionnant de lire. Hein. Oh, ça m'énerve moi. Alors du coup on y va. On va voir s'il y a... Ouais, en fait il y a rien ici quoi. On va voir s'il y a pas quelque chose d'autre quand même sur les salles à côté. Je vois pas à quoi ça sert en fait ce mode là, je comprends pas le but du mode si on n'est pas avec quelqu'un d'autre. On est avec la même personne, du coup je comprends pas le... C'est quand même intriguant, ça m'intrigue, ça me... Le bureau de contrôleur, oui. Ah, là-dessus, voilà, c'est là-dessus qu'il y a la clé. Il tient quelque chose, la clé, nickel, clé du train, nickel. Donc, on va quand même tenter d'ouvrir cette porte. Ah oui, c'est là où il y a Billy. Oh, il ressemble à quoi Billy? Vas-y, fais péter le Billy. Ah non, c'est pas Billy, c'est Wesker. D'accord. D'accord. Billy. Quoi? Lieutenant Cohen. So, you seem to know me. Been fantasizing about me, have you? You were the prisoner that was being transferred for execution. You were with those soldiers outside. Oh, I see. You're with Stars. Mais comment ils ont trop mal fait le délire? T'as vu les yeux rouges là? Oh! Hé, hey, la cinématique! Il y a les yeux rouges avec cette cinématique! Ça fait plaisir! On ne peut pas. Fais attention, Rebecca. D'accord. La forêt est pleine de zombies. Waouh, génial! Et de monstres. Waouh! Oh, les yeux rouges comme ça, mon gars! Pouf! Genre le diable en personne, quoi. Et ça, franchement, ça, c'est du Resident Evil. Ça veut plaisir, ça. Alors, qu'est-ce que tu veux, le chien, toi? Qu'est-ce que tu veux, le chien? Je te pète les dents. Oh, vous avez vu comment c'était mal fait, n'empêche? Attendez. Tu vas te calmer, déjà. Oh, le chien, viens ici, là. Qu'est-ce que tu veux? Mais arrête de me sauter dessus! Pff, regardez-moi ça, il est sur moi, il me touche même pas. Il est en lévitation, tu sais. Le pauvre. Oh, mais tu vas mourir? Non, viens ici. Oh, il faut combien de balles? Mais arrêtez, s'il vous plaît. Viens ici, viens ici.
Attends, déjà, on va voir les balles qu'on a. D'accord. Ouais, on commence à être jaune et tout, là. C'est pas bon, ça. Putain, mais... Ah, je suis orange, je suis chier. Mais qu'est-ce que tu me fais, là? C'est bon? Oh là là, c'est compliqué. C'est compliqué. Alors, vas-y, utilise-moi ça. On va... Mais non, qu'est-ce que tu me fais, là? On va combiner ça. Hop. Voilà. Au cas où, on sait jamais, des fois, on va utiliser ça. Non, dommage. Alors par contre, vous avez vu, voilà, je reprends ce que j'ai été en train de dire. Vous avez vu au niveau de Wesker comment c'est mal fait? En fait, ils ont juste pris Billy et ils ont mis le costume de Wesker. Enfin, le, ils ont mis l'apparence de Wesker, c'est tout. Ils ont pas changé les dialogues, ils ont pas refait les voix. Rien, ils s'en battent les couilles. Oh là là, ah, je suis déçu, hein. Franchement, je suis déçu de ouf. Ah, c'est dommage, ils auraient pu faire quelque chose de plutôt beau et tout. J'aurais peut-être dû sauvegarder là. Ah, j'ai fait un peu le con. Bon, c'est pas très grave, c'est pas grave. Au début, normalement, c'est pas très dur. Mais là, c'est pas en facile, là. Hein. Ah, c'est pas en facile, là. Qu'est-ce que tu veux, toi, espèce de moche, hein. Tiens, tiens. Ok, ça fait plaisir ou pas? Bah, nickel. Toi aussi, pareil. Hop, je te défonce. Oh, qu'est-ce que tu veux, là? Casse-toi! Casse-toi! Qu'est-ce que tu veux, toi? Je te pète les dents, moi. Hein. Toi aussi, hop, je te tue. C'est bon? Eh bah, nickel. Ouais, c'est parti, on va là-bas. En fait, on va refaire la même chose que la dernière fois. On va refaire tout le jeu pareil, seulement que, eh ben on le fera avec des personnages un petit peu mieux. J'espère que Wesker, il sera puissant de ouf. Oh, ça serait tellement génial. Ici Rebecca, à vous. Rebecca, tu m'entends? Ici Enrico. Où es-tu? Enrico. Hello. Vous m'achevez? Répondez. Rebecca, je te vois soi. Écoutez bien. Nous avons obtenu un renseignement détaillé. Sur le fugitif, grâce aux documents trouvés, machin. A tué 23 personnes. Bravo. Ils auraient pu changer les noms quand même, hein. Nous avons également qu'il a été interné. Alors reste sur tes gardes. Tu m'entends, Rebecca? Sois prudente, nanana. N'hésiterai pas une seconde à te tuer. Bon, tu paries. Hello, 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 j'adore comme elle dit, hello, 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 hello. Ouais, je kiffe. Bon allez, c'est parti, on est chaud là, attention. Alors, juste, c'est vrai que franchement, je redis, hein, mais avec Wesker, c'est dommage qu'ils ont fait ça. Au moins changer, tu sais, les voix, et puis, enfin, peut-être même pas les voix, on s'en fout des voix, juste les dialogues. Les dialogues, au moins ils refassent les dialogues. Juste pour le Billy, tu vois, parce que moi ça me gêne, il y a Billy alors que c'est Wesker en face, et il y a un moment, bon... C'est dommage. Ou alors, là, il y a Billy normalement qui arrive. Enfin, Wesker, du coup. C'est bon? Nickel. Wesker et tout. Bon, les choses s'annoncent difficiles. On devrait faire équipe. Faire équipe avec vous? Écoutez, petite. Au cas où, vous, je sais pas quoi. Train de grouille de sale créature. Je n'ai aucune envie de laisser, je sais pas quoi. Sans faire équipe. Faire une confiance à un criminel de fuite, je n'ai pas besoin. Peux régler le problème seul. Je m'appelle, je sais pas quoi, oh, son bye-state. Très bien, mademoiselle, je débrouille, je sais pas quoi. Comment dois-je. Oh là là, je m'appelle Rebecca, machin. Contentez-vous de m'appeler. Oh là là, ça va trop vite. Bien, Rebecca. Vous n'avez qu'à y aller tout seul, je sais pas quoi, machin. Non, franchement, mettez pause, hein. C'est impossible à lire. Là, il faut être un professionnel. Toi, je te tue, Wesker. Je te tue, tiens, qui veut? Je te tue. Là, c'est tombé. Quoi que ce soit, vous n'avez que seul pendant que je vous attends ici. D'accord. Juste, je vais prendre ça. Voilà. Avis au superviseur. Voilà. Je pense que vous avez le temps de lire. Non, mais en mettant pause, vous avez le temps de lire. Ok. Voilà. Umbrella Corp, service d'entretien. Bon, bah, nickel. Du coup, ce qu'on va faire, on va monter là-haut. Et puis, bah. En fait, on va faire la même chose que la dernière fois. Ouais. J'espère qu'on va gagner une bonne arme gratuite. Enfin, une bonne arme, qu'est-ce que je dis? Une bonne arme illimitée, genre le magnum illimité, ça pourrait être pas mal. Qu'est-ce qu'il y a ici? Ah, ouais, c'est l'autre qui perd la tête, là. Excuse me, sir. Sir.
Bon, je pense qu'on va pas non plus s'embêter 10 milliards d'années, mais... Allez, vas-y. Tue-moi tout ça, là. Non, calme-toi, gros, calme-toi. En fait, il y a certaines scènes qui refont parce que c'est différent. Et puis, il y a certaines scènes qui laissent parce que c'est la même chose. Et... Mais bon, c'est vrai que c'est dommage, quoi. Bon, tu meurs ou pas, là? Je sais même pas où j'en suis, moi. Putain, je suis pas très bien. Il est mort ou pas? Non? C'est bon, nickel. Oh, qu'est-ce que tu fais, toi, avec tes bébêtes, là? L'autre, il va tirer, tu sais. Tout à fait, tu vois. Oh non, je t'ai tué. Genre, l'autre, il tire dans le tas et tout. Y a pas de souci, elle meurt pas, quoi. Boum. Ça, ça fait plaisir. Eh ben, nickel. Alors... Oui, ça va, oui. Pousse, ma gueule, pousse! T'es moche, mon gars. Mais qui est ce type? Tu sais très bien qui c'est. T'as fini le jeu, voyons, t'as fini le jeu, tu sais qui c'est. Que se passe-t-il? Qui contrôle ce train? C'est moi. Allez voir la locomotive. Bah, je fais ce que je veux, ouais. Écoutez, on va devoir faire équipe à partir de maintenant, compris? Oui, j'ai compris. Je ne suis pas sûr, ouvrez les yeux, putain. Non, je déconne. Alors bon, d'accord, mais à la moindre entourloupe, je vous abats. Non, mais c'est juste qu'il me saoule aussi, j'arrive pas à lire, c'est chaud. Prenez ça. Mais pourtant, c'est la même scène, donc pourquoi ils l'ont refait? Si vous trouvez quelque chose, appelez-moi, d'accord. Il y a des fois, ils refont les scènes. Ah oui, c'est parce qu'il y a Wesker avec nous, c'est pour ça qu'ils refont la scène. Mais ouais, je suis bête. Bon, bien nickel, manuel du joueur 2. Ouais, alors vous pouvez alterner, je sais pas quoi, entre les deux personnages, machin. Le personnage principal et votre partenaire. Celui que vous ne contrôlez pas est votre partenaire. D'accord. Contrôler. Ouais, on peut contrôler le personnage nous-mêmes avec le stick droit. Pour donner des instructions à un partenaire, ok. Les deux personnages bougent indépendamment. Équipe, le personnage suit le personnage principal. Ok, ouais, franchement, là, j'ai rendu mal. Voilà, donc là, vous pouvez attaquer machin, passif, qui va consommer les tech. Moi, j'ai hâte d'utiliser Wesker, n'empêche. Hein. Appuyez sur Y, changer de personnage. Appuyez sur... Oui, d'accord, ok. Lorsque votre partenaire est près de vous, vous pouvez échanger des objets, ouais, depuis l'état, ok. Caresser des personnages. Rebecca dispose de caresses suivants. Peut combiner des herbes, c'est pas mal. Et peu résistante. Ah, d'accord, ok. Peut utiliser un mélangeur pour combiner les substances chimiques, d'accord. Billy. Non, c'est Wesker, hein. T'aurais pu changer ça au moins, quand même. Billy dispose de caractéristiques suivantes. Ne peut pas combiner les herbes. Ouais. Est très efficace au combat. Pas mal. Peut pousser de gros objets. D'accord. Et là, vu qu'on est avec Wesker, eh ben, bim, bim, peut avoir de l'attaque de ouf de loin, comme ça, paf, paf, dans sa gueule et tout. Alors, si le partenaire est attaqué, le personnage principal et le partenaire mourront tous les deux en cas de blessure trop importante. Gardez constamment un œil sur leur niveau de santé, t'inquiète. Si le partenaire est attaqué dans une autre pièce, il demandera de l'aide par radio. Hey, Bella, Bella, je suis en train de me faire défoncer. Alors, pour résoudre certaines énigmes, vous aurez besoin de deux personnages. Lorsque vous êtes coincé, essayez de voir si votre partenaire peut vous être utile. Et ben voilà, nickel. Bon alors... Ah, il y a des fois, franchement. Ah, il tourne des phrases un peu bizarrement, quand même. Alors. Bon, alors. oui, donc, changeons de personnage. Ça a brillé, là, ou pas, non? Non, je pensais que ça avait brillé sur le pot, mais non. On dirait une porte automatique. Oui, il faut du courant, c'est vrai. Alors, est-ce que tu peux faire quelque chose, ça? Bam! Ah, c'est génial! Genre, on peut aller super vite, comme ça. Oh, c'est trop délire. C'est trop d'art. Oh, avec ces yeux rouges là. Bon, oui, ils sont un petit peu trop lumineux, je trouve, les yeux rouges quand même. Oh, regardez-moi ça, c'est trop lumineux, on voit trop ça quoi. Donc après c'était quoi d'autre? Non, c'était pas ça. C'était... Ah oui, c'était croix. Enfin, c'était X. C'est ça, non? Ah oui, c'est en visant. Comment on vise? Comme ça. Hein? Ça fonctionne pas.
Alors, si on en... Mais qu'est-ce que je fais? On découvre, ok? Me jugez pas. Alors, du coup, on va prendre... on va déséquiper ça. Oh, elle est déjà orange, quand même. Donc, on vise, comme ça. Non, ça fait rien du tout. Non, ça fait rien du tout. Ouais, c'est bizarre. Comment on fait dans ce cas? Peut-être de autre chose, non? Je sais pas, j'ai mal compris, peut-être. Ah oui, c'est comme ça. Waouh! C'est le kiff total. Attendez. Oui. Hop, on reprend. Oh là là, mais on va s'éclater. Non, on reprend, merci, voilà. On va s'éclater. Ah, je te dis, oh, si ça fonctionne bien. Je sais pas ce que ça fait, mais y a moyen que ça fasse du taf. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher ce qu'il faut. Donc, toi. Viens. Wow! Oh, ça c'est bon ça. Vas-y, est-ce que d'aussi loin ça fonctionne? Oh, mais c'est de la bebon. Vas-y, qu'est-ce que t'as, mon gars? Même. Il y avait personne? D'accord, c'était moi. En fait, je me suis vu moi-même, en fait. D'accord, c'était changement de caméra qui m'a fait croire que... Mais non, d'accord, ok. Oh là là, ça j'aime, tu vois? Oh, ça j'aime. Ah, vas-y, viens, je t'attends. Viens, fais péter, mon gars. Est-ce que je peux te tuer comme ça? Oh là là, mais tout ce qu'il y a devant moi, en fait, ça meurt et tout, quoi. Enfin, peut-être pas tout ce qu'il y a devant moi, mais au moins un zombie, c'est sûr. Faudrait essayer quand il y a plusieurs zombies. Ah, faudrait vraiment tester. Oh là 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 là. Oh, ça, c'est... Oh, mais oh, je vais m'éclater, là. Alors, du coup, on va chercher la clé qui doit être normalement... Ah oui, tiens. Elle est où, la clé, du coup? Ah ouais, là, par contre, c'est... je sais pas quoi faire. Est-ce qu'on peut aller là? Bien sûr que non. Ouais, d'accord. Et bien sûr, je peux pas aller là. J'ai rien sur moi pour pouvoir faire quoi que ce soit. On pourrait aller où? Waouh. Attends, ah si. Non, j'ai pas d'idée. Attends, on est là-haut. Là-haut, il y avait la possibilité d'aller sur le toit, je crois. Oh bon, vous savez quoi? Je me suis un petit peu trompé. Donc moi, je vous dis à tout de suite. Bah tiens, on va sauvegarder à la limite. Ouais, quoi qu'on s'en fout, en fait. Ouais, si on va... Non. Ah non, on s'en fout, allez. Moi, je vous dis à tout de suite pour aller sur le toit, parce que bah, sinon, c'est trop long, hein, voilà. Donc, je vous dis à tout de suite, c'est parti. Le câble d'alimentation a été déconnecté et reconnecté le câble, bien entendu. Et bah voilà, nickel. Hop, vas-y, on active tout ça, et du coup, ça donne quoi? D'accord, on se demande pourquoi il y a ça. Oh, j'avais Billy là, carrément, t'as vu? Ils sont pas fait chier, ils ont mis Billy. Même pas, ils ont mis Wesker, ils sont bottes le steak. Bah non, mais Billy, vas-y, on est chaud. Oh là là, et franchement, ils ont fait les choses à moitié. Hein. Mais bon, on s'en fout, c'est quand même magnifique. Hein, ouais, c'est juste des cinématiques, c'est pas très grave. Ça reste quand même magnifique. Alors... Oui, non, ça, on s'en fout, oui. Non, je veux remettre, voilà. Non, mais non, stoppé, mais tu vas pas remettre, quand même. Bon, alors, Ah, du coup, on va pas pouvoir utiliser, Billy et tout pour tuer le monstre. Oh, dommage, j'aurais dû prendre de l'autre, là. Pff, ah, dommage. Bon, c'est pas très grave, on va prendre de... Bon, on va prendre l'herbe, voilà, où ça sera fait. On va pouvoir shooter, au moins. Alors, du coup... la clé du train, magnifique. Bah, pourquoi la clé du train? Ouais, enfin bon, c'est bizarre, mais c'est pas très grave, on va mettre ça dedans. Et puis, on va lui passer, du coup. Hop. Il y a possible. Oh. C'est pas ce que... Ok, d'accord, oui. Hein, il y a la possibilité de mettre quelque chose dedans? Oui, je veux placer un objet, oui. Voilà, et on va mettre la clé dedans. Ok, il y a possibilité de mettre un autre objet? Non? Bon, ok, la flemme de mettre un autre objet. On trouvera bien de la vie entre-temps, hein. Oui, appuie sur le bouton. Nickel. Ça passe ou pas? Ok, donc on va changer de personnage. Et puis, bon, moi, je vais vous dire tout de suite, hein, dès qu'on sera directement là où je pense.
Bon, voilà, direct, on est arrivé là où il faut. Et donc, du coup, on récupère un petit peu la clé. Je sais pas où on va aller, en fait. oui, donc, je veux bien apprendre. voilà. Donc, par contre, on a presque plus de vie. Hein, donc, j'espère qu'on va trouver de la vie. Mais pour l'instant, est-ce qu'on en a, tiens, d'ailleurs? Non, on n'a pas de vie. Bon, c'est pas très grave. Voilà, donc, on est là, hein, regardez. Je vais vous montrer, voilà. On est ici, vous voyez. Oui, il y a l'escalier, tout ça. Nickel. Alors, est-ce qu'on doit aller là, par hasard? Non, c'est pas ici. C'est pas ici, c'est pas ici. Ok, donc, on va retourner au début du train. Et franchement, avec Wesker, c'est un truc de fou parce qu'avec Wesker, tu sais, il court, tu sais, mais genre à l'infini, tu vois. Donc tant qu'il peut courir, il court, tu vois. Donc genre, t'es au début et tout, tu mets courir, enfin, tu restes appuyé sur B, boum, le mec il court jusqu'à la porte, quoi. C'est un truc de fou, c'est vraiment énorme, quoi. Bon, c'est quoi, moi je vous dirai tout de suite pour aller au fond. Hein. Ouais, donc on est arrivé à destination, on va utiliser la clé, attention, est-ce que ça fonctionne? Vous avez utilisé la clé du train, hein, vous n'avez plus besoin de cette clé et la jeter, bien entendu. Ouais, du coup on a déjà fait le jeu, du coup je connais un minimum, tu vois, je connais, je m'en rappelle plus vraiment beaucoup, mais je connais un minimum, donc c'est déjà pas mal, ça donne un avantage, hein, ça donne un avantage, donc on va prendre ça, voilà, donc oui, prendre l'herbe verte, prendre de l'herbe rouge, voilà, on va combiner tout ça, et puis nickel, donc juste, qu'est-ce qu'il y a dedans? Qu'est-ce qu'il y a dedans, qu'est-ce qu'il y a dedans? Intéressant, ok d'accord, ok, on prend la manette. Nickel, nickel. Ah, ok, d'accord. Donc, on va combiner tout ça. Et puis, on va pas l'utiliser maintenant. Parce que pour l'instant, on n'a pas besoin. Hein. On est juste en attention, donc ça va. Ouais, on récupère ça à la limite. Hop, voilà. Nickel. Toc, toc. Et on récupère. Quoi? Oui, j'ai pris. Oui, si tu veux. Si tu veux, oui. Donc, on interrupte. Voilà. Oui, on interrupte. Oui, c'est tout nouveau, ça vient de sortir. C'est un nouveau verbe pour dire qu'on active un interrupteur. On interrupte. Eh ben n'empêche, ça ferait un bon verbe. Hein. J'interrupte, interrupte, nous interruptons. Vous interruptez. Ils interruptent. Bon, allez. Ah, c'est là où il y a le boss, là. On va pas le battre maintenant. Hein. Rassure-moi. Ok, c'est bon. Donc on prendra le fusil à pompe de toute façon. On lui défoncera la mâchoire. Il n'y a que ça à faire. Par contre, j'ai plus beaucoup de vie, donc... Ah oui, mais là, il y a de la vie. Là, il y a de la vie, je m'en rappelle. Il y a quelques, vies ici. Y a quelques... Ouais, bon, tu m'as compris. Du coup, on pourra essayer, bah, du coup, de se soigner, tout simplement. T'es où? La vie, t'es où? T'es pas ici? Oh, il n'y a pas de la vie, là? D'accord, ça a peut-être changé, hein. Peut-être que c'est différent que d'habitude. Je croyais qu'il y avait de la vie, ici. Je sais pas, c'était moi qui en avais posé. Je sais plus. Vas-y, récupère ça, s'il te plaît. Non, pas ça. Ouais, quoique, bah, de toute façon, j'en ai besoin. Mais c'est plus les balles de pistolet que je voulais. Là, ici, présent ici. Ici, présent. Ici, là. Madame, voilà, merci. Bon, bah, tu sais quoi, il y a un petit spray à côté. Non, on va en profiter. Allez, hop, utilise-moi ça. Donc, hop, utiliser. Bah, non, je peux pas y combiner de toute façon. Donc, rien de te lire, hein. On va utiliser juste comme ça. Il y a quelque chose là-dedans? Non, tu peux pas ouvrir, d'accord, ok. Ici, il y a le fusil à pompe, oui. Là, il y a de quoi sauvegarder. Sauf qu'il n'y a pas la. Il n'y a pas la machine à écrire, voilà. Ah oui, j'ai plus de place. Mince. Comment je vais faire ça, moi? Comment je vais faire ça? Bon, on va laisser ça ici. Et puis, ça ira très bien comme ça. Hop, on va aller tuer l'autre, et puis on reviendra ici, tout simplement. Voilà. Hop, nickel. Donc, voilà, normalement, ça devrait le faire. Et normalement, on devrait lui péter les dents. On le pète les dents. Attends, juste... Hop, on va récupérer notre fusil. Ouh, il reste que 2 balles. Examine. Non, pas ça. non, non plus. Combiné. Quoi? Ah non, il y a que 2 balles dedans en tout. D'accord, je pensais qu'on pouvait en avoir. Ouais, c'est sur l'autre fusil à pompe qu'on peut en avoir plus. Voilà, donc il faut récupérer le pic à glace qui est là. J'ai plus rien pour. Mince. Donc on va. On va laisser ça là, je pense. Ouais, ça sera bien. Sinon, on rencontre de la vie de partout. Donc. Mais le problème, c'est qu'il faut l'autre chose aussi, là. Ah, c'est compliqué tout ça, hein. C'est compliqué. Vous savez quoi? À la limite, ce qu'on va faire, on va... Ouais, on n'a pas besoin du fusil à pompe. Oh, ça sert à rien, franchement. Non, on n'a pas besoin du fusil à pompe. Donc, ce qu'on va faire, ça va être très simple. On va poser ce fusil à pompe de malheur, là. Parce que ça ne nous sert strictement à rien. Hop, voilà, laissez-moi ça. Ça nous prend de la place pour rien. Et puis. Attends, on est avec Wesker, on va. Quoi? Comment ça, je peux pas? Tu vas pas me saouler non plus. Wow. Hein, bon. Voilà, nickel. Là, tu me le laisses. C'est bon? Voilà. Donc, du coup, on récupère tout ce qu'il faut. Parce que sinon, on va s'embêter pour rien, tu vois. Ça va être hallucinant après. On va faire des allers-retours de partout. Mais non, pas ça! J'ai laissé tomber là-bas le machin. Qu'est-ce que tu veux récupérer ça là? D'accord, ok. Si tu veux. Ouais, oui. Tu peux prendre ça là. Tu peux.
veux récupérer. Oh, tu te fous de ma gueule. C'est bon? Voilà. Non, mais non, pas. T'es teubé en fait, hein. T'es teubé, bah oui, t'es teubé, bah oui. Voilà, c'est bon? Ouais. Oh, elle m'aurait récupéré encore le. Hop, ce serait parti tout seul, hein. Ah non, mais bon. Au moment, faut arrêter. Bon, il y a moyen, là. Du coup, on va reprendre la vie. Hein. On va reprendre la vie tranquille. Là, ici, la vie. Là, ici. Là. En fait, t'es bête, hein. Ouais, t'es bête. T'es même pas qu'un peu bête, hein. Bon, allez, c'est parti. Normalement, on devrait pouvoir tuer le mec. Enfin, bah, du coup, au pistolet, du coup. Ouais, ouais, bah, c'est bête, hein. Mais bon, c'est comme ça. Donc. Alors, est-ce que t'es là? Et il a pas l'air d'être là. Donc, j'ai peut-être mal évalué mon délire. Ah, si, c'est bon. Vas-y, t'as cassé la lampe là-haut. Chandelier ou je sais pas quoi. Ouais. Commence pas à faire peur toi parce que sinon je vais m'énerver. Hein. Genre un gros scarabée comme ça, t'es. Allez, fous-toi de moi. Ouais, attends, calme-toi. Tu vas te calmer. Putain, si seulement on a été avec Wesker. Attaque pas. Vas-y, recharge-toi. Recharge, qu'est-ce que tu fais là? T'as cru quoi? Moi, j'ai un super pistolet, moi, tu crois quoi, toi? Vas-y, approche, je te défonce. Vas-y, viens. Voilà, t'as vu ça un peu? Ça fait mal, hein? Allez. Vas-y, viens, approche. Oh, mais non, mais toi, tu recharges. Oh, tu veux te calmer? Voilà. Bah, tire! Qu'est-ce que tu fais? Arrête, non! Mais aussi, tu tires pas aussi, t'es conne! Non! Bon, je suis revenu à l'endroit, mais cette fois-ci, je suis avec Wesker. Et là, ça va pas faire long feu, là, à mon avis. Hein. Ça lui fait rien? Je troll deg? Si? Non, ça lui fait rien? Je troll démon? Vas-y, meurs, vas-y, meurs. Bah, c'était que tu vas mourir. Qu'est-ce que tu veux là? Attends, on va voir quand même. Ok, parce que tout à l'heure on est mort vraiment n'importe comment. On va tenter de mieux y arriver. Ah, c'est dommage, moi je pensais que ça allait lui faire super mal et tout quoi, mais que dalle! Que dalle pour les boss, ça fait que dalle! Oh, toi tu vas te calmer. Hein? Vas-y, viens! Je m'en fous, vas-y, continue! Quoi? Oh, commence pas à me faire mal, hein? Tu vas pas me tuer? Viens, fais péter un petit peu, fais tout péter. Bon, avec le pistolet, c'est un petit peu loin, avec le fusil à pompe, hein, ça allait plus vite que ça, hein. Quelques balles, il était mort. Hein. Vas-y, approche. J'attends que ça, de toute façon, tu vois bien que tu t'arrives pas, à chaque fois que je te tire dessus, tu recules. Tu vois bien que t'es faible. Tu peux pas m'avoir, mon petit. T'es peut-être résistant à mon pouvoir, mais en attendant, je te défonce. Tu sais quoi, tu m'as saoulé, tu sais quoi, viens ici. C'est moi qui vais venir vers toi, tu sais. Eh, le gars, il m'a tellement saoulé que c'est moi qui viens vers lui. Viens ici! Qu'est-ce que tu fais? Mais il est con, lui, il tire pas sur le côté! C'est bon, t'es mort? Ah, mais d'accord, c'est pour ça, c'est parce qu'il était mort, c'est pour ça que je peux pas tirer dessus. C'est bon, je peux pas passer? Ah, d'accord, nickel. Et bah voilà! Bon, alors, du coup, on va récupérer. Oh, je suis encore en vert et tout! C'est bon, ça! Voilà, on va récupérer un petit peu des munitions. Nickel, et toi, t'as quoi d'autre là? T'as rien du tout ici? Bon, d'accord, ok. Non, parce que normalement, on pouvait changer les habits et tout, mais ça c'est sur l'histoire principale. Et là sur cette histoire on peut pas changer les habits. Alors prendre l'objet, levier. Bah vas-y. Hop, est-ce qu'on a assez? Ouais, on a ce qu'il faut, bah nickel. Du coup on va pouvoir aller là où je pense, donc descendre l'échelle, nickel. Ce qu'on va faire c'est que. Eh ben je sais pas ce qu'on peut faire. Est-ce qu'on peut pas se débarrasser de quelque chose par hasard? Non, on peut se débarrasser vraiment de rien quoi. Si, peut-être la vie, à la limite. Allez, on va laisser la vie. Parce qu'il faut bien qu'on récupère ce que je pense, là, sinon ça fonctionnera pas. Attends, juste là. Nickel, hop là. Donc, récupère-moi ça. Ouais, parce que j'ai pas envie de m'embêter à revenir ici. Quoique, au final, on va devoir revenir ici. Ouais. Ouais, bah non, parce que... Enfin, si. Et si, au final, on va devoir revenir ici. Ouais, on s'en bat les steaks, hein, voilà. On fait comme si on devait pas revenir ici, ok? Voilà, jouons le jeu, hein. Faut jouer le jeu. Bon, vous savez quoi? On va y aller ensemble, vous allez voir, c'est délire. Vous allez kiffer. Enfin, moi, perso, je kiffe. Je kiffe faire ça. Vous allez voir, je vais vous montrer.
Le gars, franchement, c'est une vraie Formule 1. C'est un truc de fou. T'as rien à faire. Rien à faire, ça va tout seul. Regardez-moi ça. Regardez. Hop. Ah, je kiffe trop quand il fait ça. C'est une vraie Formule 1, ce mec. C'est un truc de fou. C'est le mec, il y va, tu sais. Et y a pas de souci, le mec. Hein. Et il sera jamais en retard, lui. Hein. Ah non, mais bon, là, à ce point-là, ça va vite. Hein. T'as vu, en zone chrono, on a traversé tout le train et tout. Et franchement, il y aurait pas de porte. Le mec, il irait jusqu'au bout hein, en 10 secondes, quoi. Et encore. Juste, le problème, c'est que... Attendez, on va essayer de mettre ça là. Voilà, on va mettre ça là-haut. On va mettre le pic à glace là-haut. Qu'est-ce que c'est le problème? Non, ce que je voulais dire, c'est que... par exemple, on serait avec Rebecca ou avec lui, on marcherait. Et franchement, on irait à vitesse normale. Ça prendrait une plombe. Hein. Ah, franchement, ça va être bien, ça. Ça va être cool, ça. Ça permettrait d'aller un petit peu plus vite. Et hop, on change de personnage. On va prendre elle. Donc hop, on récupère notre pic à glace. Et on va pouvoir ouvrir notre porte. Et ça fait plaisir. Alors, allez, on va prendre ça, voilà. Oui, voilà, nickel. On peut l'utiliser ou pas? Est-ce qu'on peut l'utiliser? Nickel, ok. Alors, on vient ici et on utilise le pic à glace. Oui, bah tu peux pas l'utiliser, s'il te plaît? Non? Faut que ce soit moi qui le fasse, c'est ça? Ok, mais c'est toujours à moi de le faire, de toute façon. Hein, c'est toujours moi, je suis toujours l'esclave. Allez, c'est parti, ouvre-moi cette porte. Histoire qu'on puisse partir d'ici. Mais c'est dommage que elle ait pas les pouvoirs aussi. Ah, ça serait marrant. Elle a les yeux rouges, mais elle a pas les pouvoirs, c'est dommage. Ah, c'est dommage. Oh, toi, tu vas te calmer, tu vas pas m'enflammer, hein. Ah, non, mais t'es fou, toi. Hein. Moi, on m'enflamme pas comme ça, hein. Attention. Bon. Allez. Je pense que... on va s'arrêter là. Allez, moi, je vous dis à une prochaine vidéo. C'est le mec. Je sais pas combien on en est. En plus, j'ai recommencé et tout, donc... ça fait un petit moment que je joue. Bon, ça va, c'était assez rapide de tout recommencer, mais bon. Let's go. Allez, go. Ah non, mince, ça, il faut ouvrir ça. J'avais oublié. Putain, oh, il fait peur, lui, n'empêche. Hein. Avec sa tête, là. Avec sa tête de méchant. Oui, je sais, oui. Pourquoi à chaque fois, je mets action? Il faut juste utiliser, c'est tout. Ah, tu utilises la chose, et puis c'est fini. Bon, normalement, on est censé avoir... je sais plus comment ça s'appelle. Tu sais, les petits anneaux, là. On est censé avoir les anneaux. Oui, dans le vide sanitaire. Le vide sanitaire. Eh, ça fait... ça donne envie, hein. Dans le vide spatial. Veuillez entrer dans le vide spatial. Non, j'ai pas envie, non. Allez, n'ayez pas peur. C'est qu'un vide spatial, voyons. Attends, est-ce que ça fonctionne contre eux? Qu'est-ce que tu veux, toi? Qu'est-ce que tu veux? Bam! Oh non, mais il était derrière moi aussi, là. Attends, viens ici. Viens ici, je te défonce. Mais non! Du coup, j'ai pas pu voir. Oh, je te jure, hein, ça, franchement... ouais, vas-y, hop. Il a vie limitée, le mec, ou quoi, là? T'as vu, depuis tout à l'heure, j'avais pas utilisé une seule plante. Il a encore de la vie, le mec. Oh, ça se trouve, il a vie limitée. Non, j'y crois pas. J'y crois pas, mais ça se trouve. Hein. On verra bien. Alors, il y a moyen que tu prennes... yes, là, nous, en or. Par contre, il va falloir que je prenne un peu des balles de fusil à pompe pour plus tard. Ça pourra me servir pour les boss et tout. Ça pourrait être vraiment pas mal. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Pour l'instant, on va pas utiliser tout ça. Enfin, on va pas prendre ça maintenant, parce qu'il... après, j'aurais pas assez de place. Quoique, si je combine... ah ouais, mais non, c'est vrai que j'ai la... ah ouais... bon, de toute façon, on va l'utiliser, hein, donc combiner, hop là. On va donner ça, échanger... ah, mais attends, non, ouais, quoique, tu sais quoi, non, ce qu'on va faire, voilà, c'est qu'on va faire ça, on va donner, échanger, je veux dire, hop là. Bah, tu donnes tout. Ouais, tu donnes tout, hein, sans bystec, voilà. Et du coup, on est plutôt bien comme ça. Comme ça, chacun son truc. Hop là, on est à peu près tous bien. Et ça fait plaisir. Bon, alors. Du coup, moi, je vais rester là. Voilà. Toi, tu vas aller là. Et donc, du coup, ça devrait passer, non? Ok. Nickel. Ça veut dire. Donc, on va changer. Hop là, et on va récupérer ça. Non, comment on fait? Comme ça, action, vite. Récupère-le. Sympathique. Nickel ou pas? Ouais, tu prends le grappin, oui, voilà. Et donc, du coup, on va pouvoir continuer l'utilisation du grappin, mais si on s'en bat les steaks, franchement, on a déjà vu tout ça. Enfin, même si on l'a pas vu, on s'en fout. Ok, d'accord, ok. Tant que ça charge tout ça. Bon. Suspense. À chaque fois, tu sais, c'est long d'ouvrir les portes. Oh non, mince. Allez, encore chargement, c'est ça?
Oh là là, je te jure avec elle. Hein. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Bon, viens avec moi. Hop. Follow me, comme on dit. Follow me, vas-y, suis-moi, vas-y, vas-y, suis-moi. Alors, hop, normalement, on déverrouille. Toc, toc. Nickel, ça fait plaisir. Vas-y, ouvre la porte, là, plus vite. Sinon, moi, je t'envoie dans le vide sanitaire, moi. Oh, toi, tu vas te calmer. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Hop, je vais voir ce que ça donne si on fait ça. Bah, nickel. Bon, par contre, elle est toujours aussi jaune, l'autre, là. Attendez. Ok. Bon, normalement, on devrait pouvoir facilement arriver à la fin. Pas au bout du wagon, je veux dire. On va tenter de... C'est quoi, on va finir le wagon et puis après, on s'arrêtera là. Hein. Oh, je kiffe trop quand il fait ça. Je kiffe trop. Bon, on va vite fait finir le wagon, tout ça, et puis après, on s'arrêtera là, je pense. Non, c'était ici. C'était ici, si tu pouvais éviter... Je peux éviter de trop courir partout. Oula, calme-toi mon petit. Hein. Attends, mais calme-toi. Paf, dans ta gueule. Bon allez, on va monter là-haut. On va utiliser le grappin. Non, je me suis trompé, j'ai changé de personnage. Hop, voilà, utilisation du grappin. Oh, po. Calme-toi ma petite, hein. Vas-y, utilise-moi ça là. T'es malade. Elle est complètement malade celle-là. Hein. On va utiliser, voilà. Quoi? Comment ça, je peux pas? Et une tarte dans ta... On peut pas aussi. Hein? Non? On peut pas une tarte dans ta... Attends, ouais, remets quand même, parce que bon. Voilà. On utilise? Voilà, nickel. Et t'arrêtes de me faire riche? Ah oh, ouais, t'arrêtes de me faire riche, ok. Bon, allez, monte là-haut. Bien sûr, toujours chargement. Allez, c'est parti, on y va. Elle est pas venue avec moi, je parie. Bah non, elle peut pas, je suis bête. Alors. Ok, on descend en bas. On dirait il y a un compartiment sous la brèche, passé dans la brèche. Bah ouais, vas-y. Vas-y, vas-y. Oh! Toi, par contre, tu fais pas plaisir, toi. Pouf! J'adore son pouvoir. Ah, un couteau, je m'en fous complet. Ah, bah voilà la deuxième bague, ça fait plaisir. Ah, ouh, là, attends. Prends-moi ça, hop là, on va récupérer. Enfin, deuxième bague. Deuxième truc circulaire, là, je sais plus comment ça s'appelle. Hop, nickel. Deuxième anneau, voilà. Deuxième anneau. Voilà, quelque chose dedans. Anneau en argent. Ouais, trop bien. On va... Non, on va combiner. Voilà, combiner. Hop. Nickel, on va ouvrir ça. Bah non, du coup, on va faire... Voilà, examiner. On va ouvrir. Toc. Et normalement, dedans, il y a la carte. Je m'en rappelle bien. Ouais. Je suis trop fort. Ouais, donc on a la carte d'accès bleu. Et donc, du coup, on va pouvoir aller... du coup, au bout du train. Et pouvoir l'arrêter un petit peu. Et du coup, on sera au manoir. Et ça fera plaisir. Oula, bah dis donc. Tout ce qu'il y a. Il y a tout qui va éclore et qui va partir. Tout simplement. Voilà, donc on s'en fout un petit peu. Voilà, salut. Et donc du coup, on va pouvoir aller là. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Là où on n'avait pas accès avant. Mais bon. Alors. Qu'est-ce qu'il y a ici? Qu'est-ce qu'il y a là? Ah, d'accord, il y a moins de descente. Il y a moins de descente, donc là, il y a de la vie. Ce qu'on va faire, on va récupérer la vie quand même. Au cas où, on sait jamais des fois. Ça peut toujours servir. Qu'est-ce que tu me fais, toi? Là, cassez-vous. Moi sinon je vous explose moi, regardez. Vous voulez voir que je vous explose? venez. Bam! Alors, ça fait moins les malins là, hein? Bande de saloperies, va. Y'a quoi ici? Ah, d'accord, ok. Ok. Ouais, c'est en arrière, voilà. Donc c'est ici qu'on pouvait pas passer d'habitude. Mais là on peut passer, mais bon, on s'en fout. On va aller par là, directement, ce sera très bien aussi. Par contre, je sais plus où on va ici. Je sais plus du tout. Où est-ce qu'on va? D'accord, oui, ici, d'accord, ok. Ah, c'est bien ce qui me semblait. Alors, tu viens avec moi, toi, par contre. Parce que bon, pas envie de m'embêter pendant 10 ans. T'as bon? Nickel. T'as vu ça un peu? Franchement, hé, ce Wesker-là. Oh, mais ça fait plaisir! Oh là là, ça fait trop plaisir. Franchement, c'est genre des choses que j'adore, moi, quand il y a des pouvoirs spéciaux et tout comme ça. Hein. Ah, ça fait tout péter, ça fait... Oh là 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 là. Comme Wesker dans... Non, c'est Crozer. Enfin, c'est... je sais plus comment il s'appelle, là. Je crois que c'est Crozer dans Resident Evil 4 et tout, avec le mode mercenaire et tout, là. Ah, d'accord, ok. Donc, il est en jaune. Donc, oui, il peut avoir... Enfin, il perd de la vie. Bon, malheureusement. Ça aurait été pas mal d'avoir de la vie illimitée. Mais non, c'est pas le cas. Ok, c'est bon, nickel. Ok, on va pouvoir ouvrir la porte.
Pas de déverrouiller, vous n'avez plus besoin de la carte, oui, donc j'achète, nickel. On va juste utiliser de la vie parce que bon, on en a besoin, et puis on va y aller. Hop là, nickel. Bon, et bah, jusque là, on est bien. Hein. Bien. Alors, ici, l'équipe Delta, je sais pas quoi, nous avons pris le contrôle du train à vous. Bien reçu. Il y a encore Wesker ici. Comment le virus-tu puisse s'appeler contaminé le jeu de bonne. Non, je sais pas quoi, mes chiens. Hein. Oups, mince. Enfin bon, après l'autre il se fait attaquer. Le mec là, le. Tu sais, le mec qui est. L'agent là, le. L'agent qui a appelé les deux gars ou je sais pas qui là. Et ben il se fait attaquer par les sangsues là qui sont libérés tout à l'heure. Et il se fait bouffer et puis voilà. Enfin, c'est, en gros, ici là, tu vois, le mec qui était ici là. Ben il se fait bouffer, voilà, celui qui est par terre là. Même les deux là. Ouais, les deux là ils se font bouffer et tout et. Comme ça. Hop là, nickel. Ouais, je sais pas, j'ai appuyé sur. Je sais pas, ça m'a saoulé, j'ai appuyé sans faire exprès, donc ça arrive des fois. Bon, en attendant, ça passe. Nickel. Comme d'hab. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Alors, vas-y, active-moi ça. Nous filons droit à la catastrophe. Mais non, on va arrêter le train, t'inquiète. Faut arrêter ce train, oui, on va l'arrêter. Utilisation du frein, ouais. On s'en fout un peu, voilà, on a déjà lu tout ça, je sais comment on joue. Qui va rester en arrière? Eh ben, Rebecca. Rebecca va rester en arrière, du coup, moi, je vais pouvoir partir derrière. Je vais utiliser le panneau de contrôle du frein à l'arrière. Nous avons plus qu'à, je sais pas quoi, ça marche. Billy. Quoi? Soyez prudent. Ouais, je m'en bats les steaks. Alors, du coup, on va récupérer ça, quand même, parce que bon, sinon, on est... Sinon on est impuissant, sinon. Ah ouais, si on récupère pas ça. Oh, tu arrêtes de me saouler, s'il te plaît. Oh, arrête. Voilà, récupère ça, merci. Bon, on récupère ça. Voilà. Nickel, on va récupérer ça. Juste là. Nickel. Allez, nickel, voilà. Donc du coup, bah moi je vous dis à tout de suite pour aller, bah, pour aller au fond du train. Rebecca. I'm here. Are you all right? Hey, we managed to stop the train. Yes, we managed. We have to find a way out. Bon. Ce qu'on va faire, attendez. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se quitter là. Oula, oula. Alors déjà, tu vas te calmer, mon petit. Hein? Parce que là, ça va pas le faire.
Non, je te... Oh, j'ai... Attends, mais... Dégagez, s'il vous plaît. Oh, mais casse-toi. Qu'est-ce que vous allez faire, là? Bam, vous faites rien du tout, les gars. Mais ouais, mais vous avez cru quoi, vous? Vous avez cru que c'était... C'était la bamboula, ici, là, ou quoi, là? Voilà, il y a moyen de reprendre de la vie. Ok, il y a moyen de reprendre de la vie. Donc, on va faire... Bon, on va utiliser ça, je pense. Utilisez-moi ça. On va combiner ça. On va changer de personnage, voilà. Et on va récupérer... On va recharger. Hop. Nickel. On va récupérer ça. Non, par terre, là. Par terre. Tu peux récupérer le truc par terre, ça. La plante, là, ici. Là. Ici, là. La plante. Non, t'es con, quoi. La plante. Merci. Voilà, c'est bon. Ouh. Et il y a des fois, hein, je te jure, c'est hallucinant. Voilà, tu peux récupérer l'autre plante. Ici, là. Voilà, nickel. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Ok, donc du coup, bon, on va se quitter là. C'est quoi ça? C'est un couteau. Là, du ruban encreur, on s'en fout. Et ouais, on va se quitter là, hein, parce que bon, je pense qu'il y a un moment, voilà. Il y a un moment, il faut se quitter, tu comprends. On va juste combiner ça quand même. Voilà, nickel. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Hop, on y va, c'est parti, on est chaud. Donc en fait, on prend le grappin et on va le laisser dans la grande pièce. On va laisser dans la grande pièce parce que du coup, on a vu la dernière fois qu'on en a eu besoin. Et puis on le reprendra plus tard, quand il faudra. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas, hein. Et pas avant longtemps. Par contre, je me rappelle plus tout à fait comment ça se passe et tout le game, donc... je sais pas comment ça va se passer la prochaine fois, mais bon, on verra bien. Mais en attendant, ça fait plaisir quand même, on est avec Wesker et tout. J'espère qu'à la fin, on va avoir une bonne récompense et tout. Et si on a une bonne récompense, si on a le Magnum illimité... On testera de faire l'histoire principale avec, enfin en étant en mode difficile. Ça pourrait être pas mal. Du coup là on est dans le manoir. Et ouais, t'as vu ça un peu? Chanceux hein. Eh, il fallait tomber dessus quand même, il fallait tomber dessus. In the mansion. Needless to say, I contaminated the train too. What? Revenge on Umbrella. Ago, Dr. Marcus was murdered by Umbrella. You helped them, didn't you? Ok. Bon, ça dit tu fermes ta bouche, non, parce que bon, c'est pas que c'est chiant un petit peu, mais... Regardez. Oh, vas-y, cours. Oh, il court pas dans les escaliers. Mais sérieux, lui? L'enfoiré, il court pas dans les escaliers. T'as vu ça un peu? Vas-y. Ah, il court pas dans les escaliers, l'enfoiré! Ah, espèce de fou, va. Ah, c'est pas cool. Moi, je pensais que tu courais dans les escaliers et tout, genre en mode beau gosse et tout. Et non, que dalle. Alors, vas-y, récupère-moi ça. Bon, on va sauvegarder tranquillou. Hop là, on récupère ça tranquillou. Et puis voilà, nickel. Ça fait toujours plaisir de toute façon. Alors, on va juste regarder ce qu'on a. Ok, on a ça. Et puis on a ça, ok. Bon, bah la prochaine fois on prendra de la vie, je pense. Enfin, on prendra la vie qu'il y a par terre et tout là. Ah, juste là-bas derrière nous. Hop, on enregistre les données. Chargement du contenu en cours, ne pas éteindre le PC. Oui, pas de soucis. Voilà, on va sauvegarder tranquille. Voilà. Sauvegarde du contenu en cours, ne pas éteindre le PC. Et bah ça fait plaisir. Voilà, sauvegarde réussi, tranquille. Et bah voilà, nickel. Alors la dernière fois on l'avait fait en deux parties. Et là on l'a fait en une seule partie direct et tout. Bah aussi, il faut dire, on connaissait un petit peu tout ça, donc ça nous a aidé.
Donc je sais pas combien de temps ça a pris, j'espère que ça a pas pris trop longtemps non plus, parce que bon après c'est un moment, c'est chiant quoi. Hein. Et quand ça dure 2 heures le truc, bon, c'est bien sympathique quand ça dure 30 minutes, 1 heure, mais après quand c'est trop long... Hein. Bon, en attendant, on verra ça la prochaine fois, on reverra un petit peu ce manoir la prochaine fois. Pour l'instant, et ben pour l'instant on va se quitter, voilà, donc du coup, bah moi, ce que je vais faire, c'est que je vous dirai une prochaine vidéo, je vais vous dire ciao, et puis n'oubliez pas, moi c'était cool.